Et bonjour les amis, c'est XMS74. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle application sur Android qui s'appelle Piano Tile. Mais avant ça, je vais vous donner quelques informations sur la série de GTA 3 que je ne vais pas faire pour le moment, étant donné que j'ai pas le temps. Vu que quand je fais la vidéo, je me fail assez souvent pour l'émission. Et comme j'ai pas envie de vous donner quelque chose de vraiment bidon, et ben je recommence à chaque fois la prise de vue. Moi, la capture d'écran, donc c'est un peu long et j'ai pas vraiment le temps en ce moment de faire. Mais je vous promets que d'un coup, vous allez voir qui va tomber la série GTA 3. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Piano Tile. Donc, comme vous avez pu vous en douter avec le nom et l'image, c'est un jeu de piano qui va tout simplement de on va tout simplement devoir appuyer sur les touches dès qu'il le faut. Donc, classique, on va mettre 25. Donc là c'est simple, il va falloir appuyer sur de faire le moins de temps possible pour comment dire pour appuyer sur toutes les touches en même temps, enfin toutes les touches en même temps, faire toutes les touches le plus vite possible. C'est normal, j'avais jamais fait en 25 secondes, j'avais pu faire. Donc après il y a vraiment des niveaux plus compliqués comme arcade ou arcade plus qui devient vraiment très compliqué. Là on a rotatoire, ce qui fait que l'écran va simplement se retourner. On a instable, j'ai pas encore testé. On a 6x6, c'est-à-dire qu'on a 6 touches au lieu de 4. 5x5, on a le brouillard, ce qui fait que il y a des touches qu'on va pas voir tout de suite. On a double couche, c'est-à-dire qu'il va falloir appuyer deux fois sur les touches. On a double. Ah oui, on aura deux touches par ligne, pour certaines lignes. La foudre, ça veut dire qu'on ne verra rien pendant un certain moment. Pourquoi il y a marqué deux fois foudre? Et bombe, ça veut dire là, il va falloir éviter d'appuyer sur certaines touches. Dans arcade, donc on n'a que ça. Je sais pas ce qu'il fait là, donc là c'est inversé. Donc là, vous voyez que ça avance automatiquement. Et c'est vraiment très compliqué en inversé. Vous devez entendre les doigts là qui tapent. Donc c'est vraiment compliqué, hein. Donc moi le celui où j'ai vraiment fait énormément, mais alors j'ai passé 10 minutes sur un seul test, du moins un seul test, une seule partie, c'est relais, en 12 secondes. Là, donc, vous allez voir que je... mon meilleur record, c'est quand même 1499. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça, mais moi, même moi, j'étais pas vraiment. Je me disais, non, c'est pas moi, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. Moi, je gère vraiment ça. Faut que je me reprenne. Je vais essayer de faire à peu près 100. Donc la vidéo durera plus longtemps, mais c'est pas grave vu que pour mon PC je suis passé en Ethernet, ce qui fait que du coup je peux mettre les vidéos en ligne en moins de temps, ce qui m'arrange. Ça vous arrange aussi un peu parce que c'est quand même bien d'avoir des vidéos longues pour profiter plus de l'application. Au pire, vous pourrez toujours la télécharger après. C'est assez con.
99, 98, c'est pas mal, hein. Il y en a qui n'arrivent pas à faire ça. Je vais vous montrer quelque chose alors zen. C'est à peu près la même chose que classique, mais c'est autre chose. Donc dans Arcade Plus, je voulais vous montrer. Plus de batterie, c'est. Donc double couche, vous allez voir, ça va, mais c'est assez chiant. Ah, donc là, il y avait deux traits, ce qui signifiait que je devais cliquer deux fois dessus. Des tests sur des trucs où j'ai pas vraiment testé, donc c'est possible que je fasse des meilleurs scores parce que j'ai pas vraiment c'est plus dans relais que j'ai vraiment fait le plus de choses. Donc là il y a Rush, je sais pas si je vous ai montré. Je vous montre tout ce qu'il y a de Arcade Plus, donc les bombes. C'est pas grave, j'ai assez de tuiles. Voilà, donc où il y avait une tête de mort, il fallait pas l'appuyer. Vous avez vu, hein, même si avec une tête. Ensuite, la foudre. C'est vraiment vraiment chiant. Double. Donc là il y en aura deux par ligne. Ensuite, donc toujours dans Arcade Plus, double couche. Donc ça, je vous ai montré. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Brouillard. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certaines couches, on la voit pas tout de suite. Voilà, vous voyez, c'est vraiment chiant. C'est vraiment troublant. Hein. Par contre, ils n'hésitent pas sur les. Ok, désolé, j'ai cru que j'avais un problème de recording. Donc, toujours dans Arcade Plus, le 5x5. Donc, il y a plus de touches, mais c'est vraiment chiant. Record. Ça va.
Mort Arcade Plus, bah, il y en a un paquet, hein, le 6x6, donc c'est la même chose, mais c'est dedans en fait. Instable, j'ai pas vraiment encore testé. Je sais pas ce que c'est en fait. Je me suis chié tout seul. J'ai l'impression que c'est la vitesse qui est instable. C'est vraiment. Oula, c'est vraiment. J'ai pas vraiment vu le but, mais en fait, ça va très vite en fait. Bon, attends, alors là, c'est vraiment le plus chiant. Chaud à faire. Qu'est-ce que je vous ai pas montré en arcade? Bah, je vous ai tout montré là-dedans. Donc en arcade normal, donc il y a rapide. Ça va très vite. Classique. Je vous ai montré, je crois. Mon meilleur c'est 235. Oh, le battu avec vous 5787, qui fait mieux? Je vais quand même réessayer. En fait, c'est quand c'est la base du jeu. Oh, encore! Ok, alors j'ai bloqué à certains endroits. C'est pas grave. Zen, je vous ai montré, je crois. Donc là, en 15 secondes, il va falloir faire le plus de. C'est 71 quand même. Là, je vais pas y arriver parce que à 50 c'est la fin. Voilà. Il y a encore quoi? Donc relais, je vous ai montré. Rush, inversé. De tricherie, genre on met le téléphone à l'envers, mais ça, on en... voilà. Donc, je crois que je vous ai tout montré. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre tous vos records que vous avez eu sur ce jeu si vous l'avez déjà essayé dans la description. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère à bientôt pour GTA 3. J'ai peut-être lancé des nouvelles séries genre Need for Speed ou Most Wanted, donc je m'entraîne un peu pour pas faire des vidéos trop mauvaises non plus. Je vais commencer à faire des Let's Play Minecraft, même si pour l'instant j'ai fait un tuto, mais c'est vraiment du tuto parce que je m'emmerdais quoi, casser un bloc quoi. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo en tout cas, et je vous dis à bientôt.